Alors, j'ai créé ma boutique il y a bientôt 9 ans maintenant. Je suis la seule boutique de la Côte d'Azur spécialisée vraiment dans la grossesse et l'allaitement, et également dans les cadeaux de naissance et cadeaux aux bébés. Alors, ça dépend vraiment pourquoi elles viennent. Ça dépend, ça peut être très bien de la lingerie si elles ont ce besoin-là, ça peut être des pantalons si elles ont un besoin de pantalons. En fait, le produit dépend vraiment du besoin de la maman. Et enceinte, elles ont vraiment des besoins qui évoluent. Donc, ça va être vraiment en fonction de elles. Après, je vends très bien aussi les bolas de grossesse, tout ce qui est cadeau autour de la grossesse. Et pour les bébés, c'est pareil, c'est très varié parce qu'on a tous une image différente de la naissance et du cadeau, donc ça peut être des doudous, des maillots de bain couche, des casquettes, ça peut être, voilà, c'est très varié. J'ai subi un licenciement économique et ça a été le moment pour moi de rebondir et de me lancer dans la création d'entreprise. Je voulais créer une entreprise, un commerce à Antibes et quelque chose qui n'existait pas. Et à l'époque, j'avais des copines enceintes qui me disaient qu'il n'y avait rien sur Antibes pour la grossesse. Donc j'ai voulu vraiment apporter ce service aux Antibois, aux Antiboises et aux personnes de la région. Alors ben, les projets, ça a été vraiment le gros projet de 2023, c'était de déménager. J'étais avant rue de Fersen pendant presque 9 ans, donc là maintenant je suis au 24 août, la nuit du 24 août, la nuit du cinéma d'Antibes. Donc c'est vraiment me développer sur cette adresse, m'implanter bien ici, continuer à développer les ateliers que j'ai initiés aussi depuis un an. Donc j'accueille des intervenants qui proposent des ateliers aux futures et jeunes mamans et continuer à développer également la location d'articles de puériculture. Donc pour l'instant mon projet c'est de m'installer bien ici et de reprendre mes marques dans cette nouvelle adresse. Alors moi, je suis une Antiboise pure souche. Mon parcours, ça a été rien à voir avec le commerce, quoi. Plus ou moins, c'était dans la communication. Donc j'ai été attachée presse, j'ai été chargée de communication. Dernièrement, j'étais journaliste. Donc c'était vraiment mon secteur, en fait. Et me lancer dans un commerce, en fait, ça me permet d'utiliser au quotidien ce que j'ai appris en communication. Mais avoir ce côté où je me sens un petit peu plus utile à la société, en fait. Je rends service aux gens. Et j'ai vraiment ce contact direct avec les clientes, et ça me manque en communication. Sauver des vies, avoir l'impression de sauver des vies, d'avoir des clientes qui arrivent et qui me disent « mais heureusement que vous étiez là ». Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir, c'est de rendre des gens heureux et d'apporter ce soutien aux clientes. Ça me fait vraiment plaisir. Alors avant tout, en venant en boutique au 5 avenue du 24 août, dans la rue de l'ancien cinéma d'Antibes. Et sinon, j'ai tout en ligne sur mon site internet, sur mixmam.fr, et également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, sur mixmam06. À bientôt.